Moi, il est trop cowboy. Franchement, il est trop cowboy. Ils ont. Franchement, il est trop. Yo tout le monde, c'est Salut, je vous donne surtout pour toute la vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire spawner le bébé dragon. Donc, c'est parti. Donc, tous les trucs à télécharger seront en description. Voilà, donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez. Là, au revoir. Donc on va se mettre en créatif, bien sûr, parce que c'est un peu mieux pour aller le chercher. Et donc, pour la graine, vous allez mettre robot, c'est très important. Si vous, comme ça, vous prenez pas, vous prenez pas la tête à chercher. Donc vous prenez robot et vous lancez le monde. Donc c'est parti. On arrive dans le monde, on spawn là et vous avez le village juste à côté, voilà. Donc je vous invite à mettre cette graine si vous voulez pas chercher 10 milliards d'années. Donc c'est parti, on va aller chercher tout simplement le portail de l'Ender Dragon. Donc c'est parti, on va faire une petite ellipse du temps que je le trouve. Je l'ai trouvé, donc on est là, donc on peut détruire même le spawner. En plus là on n'a pas eu de chance car il y avait zéro truc. Donc c'est parti, on va les poser. Hop, ah, c'est moi ou ça fait des bruits? Ah ouais, ça fait des bruits quand on les pose, c'est sympa, hein. ça donne du nouveau. Est-ce qu'on est obligé d'être à côté pour les... Donc, et voilà, on a le portail. Oh, ça met même des sons et tout, ça fait un bail, je vais pas aller dans l'Ender. Donc c'est parti, on va aller dans l'Ender Dragon. Donc c'est parti, hop là, on y est, on va aller, on va monter tout en haut, c'est parti, hop là, ah l'Ender Dragon, on y est, donc, ah voilà, on peut voir tout simplement, on pourra voir l'Ender Dragon, oui bien sûr, là il y a les cages, hein, faut pas déconner, donc on va les détruire chacun, on va détruire à chaque fois les trucs, hop, hop, hop là, hop là, hop là, hop là. Et voilà, on les a tous tués. Alors bien sûr, on va laisser l'Ender Dragon, il ne nous gêne pas. Donc, on va prendre tout simplement, on va aller dans l'inventaire, voilà. On va aller dans les œufs. Hop là, ils sont, on est là, je crois, voilà, ils sont là. Et on va prendre tout simplement celui-là, voilà. Et on va le prendre et on va tout simplement le poser. Et voilà, on a notre petite Ender Dragon, voilà, avec sa maman à côté. Bon, oui, c'est un add-ons, c'est pour ça que j'ai dit les liens en description au début de la vidéo, voilà. C'est tout simplement un add-ons, mais je trouve en fait trop stylé en fait qu'on peut avoir un petit bébé dragon. Mais ceux qui trouvent, mais en fait si je fais cette vidéo c'est surtout pour dire qu'en fait ça serait génial qu'on pourrait avoir un petit bébé dragon sur MCPE ou même en Minecraft en global. Ça pourrait être super, avoir un petit bébé dragon, en sachant que le dragon normal, il est juste magnifique. Et que le bébé aussi est sympa, franchement, il est magnifique, j'aime bien comme ça. Ils ont bien représenté en bébé, voilà. Il est stylé, voilà. Bien sûr, ça fait un petit bruit de cheval, je sais pas si vous allez entendre dans la vidéo. Voilà. Si je peux en mettre plein, voilà. Ça va partir en couille à la fin. Honnêtement, il est trop cowboy. Franchement, il est trop cowboy. Franchement, il est trop
kawaii. Pas mal. Si vous voulez que je présente d'autres add-ons, il n'y a pas de souci. Je vous le fais. Bien sûr, là, quand cette vidéo sortira, ce sera le début des vacances. Et j'ai prévu 3 vidéos toutes les vacances. Donc, vu qu'il y a 2 semaines, bah, ça fera 6 vidéos en 2 semaines. Ce qui est vraiment pas mal. Alors que à la base, c'est 2 vidéos par semaine, voire une. Donc c'est pas mal. Voilà les amis, c'est tout simplement la fin de la vidéo. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner, à télécharger l'addons si vous voulez avoir un bébé dragon sur Minecraft. Voilà, on se dit à la prochaine et bye bye.